Bonjour à toutes et à tous, ici c'est Kai et on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur EU4 avec les Girac. Yo les gens. Et Macintor. Salut tout le monde. Et je suis en pleine lutte contre des rebelles là au Sri Lanka. Parce que j'ai un imam qui est en train de convertir à la province, ils sont pas contents apparemment. Ils sont jamais contents. Je sais pas, apparemment un truc de persécution religieuse là. Oui, n'importe quoi, ils inventent des toi, c'est comme si c'était ton genre. Ouais, c'est clair, on est tolérants. Ouais, surtout nous. Enfin, tolérants surtout quand ils sont pas chez nous, moi. Chacun chez soi, les... C'est quoi déjà l'histoire dans le film? Chacun chez soi et les machins seront bien gardés, je vois. C'est pas les hippopotames? Ah non, je suis même plus... non, dans... tu m'as mis dessus, c'est... Asterix et Obélix, Mission Club. Oui, oui, c'est pas... Et les hippopotames seront bien gardés, merde, c'est quoi? Ouais, c'est si, par exemple, et les éléphants seront bien gardés ou un truc à la con comme ça. Je crois que c'est des hippos, ouais. Or, si vous trouvez ce qu'on veut dire, n'hésitez pas à faire un commentaire. Et si vous plantez en dessous, on regardera le film et puis on rigolera de vous, c'est tout. Mais en privé, ouais, pas méchamment pour vous, hein. Alors, attendez. Ah bon, c'est nouveau qu'on est gentil, nous. Et c'est pour qu'ils mettent des commentaires. Ah, c'est pas possible. Elles sont mes troupes, elles sont là, voilà. Y'a le Brésil qui s'est créé? C'est ce que je disais. Ah, le Brésil? Toi, il s'appelle Brésil, moi, c'est Rio de Janeiro. Il colonise ou pas ce feignant là? Normalement, ouais, il doit coloniser. Mais bon, il va falloir qu'il débloque un petit peu le truc. Je vois pas. Ah, oui, si, il colonise au nord. Ok, bah, il a raison. Oh! Je perds la guerre. Parce que je lui donne du fric hein, pour qu'il colonise. Potiguara. Ah là là, patron, c'est le petit Guara, t'as le grand Guara, t'as le petit Guara. Ouais. Pitié, mon dieu. Arrêtez-le. Tu peux récupérer tes bateaux, hein. Ouais, ma flotte de transport. Franchement, là, son gars, il me... Tu as harcelé? Je vais voir les... Enfin, me harceler. Les mecs, ils arrivent avec leur armée qui est en train de traverser tout le continent pour mettre des troupes, des claques, et ils arrivent, c'est par paquet de mines. Et je les attends par paquet de 3000. Comment dire? Je suis un petit peu en avance sur eux et je suis en train de coloniser leur capitale et enfin de siéger leur capitale et autre chose là. Et le seul truc que je veux c'est je veux juste des thunes. Thunes et... Parce que je peux pas leur prendre de province vu que je pourrais pas courir. Bah oui. La vérité, ça doit déche. Tu peux pas les filer au mec à un de tes vassaux qui est à côté? T'as pas de vassaux? J'ai pas de vassaux. Ouais, t'as pas de pote. La loi c'est moi. Bah ben, surtout que je peux pas les vassaliser vu qu'ils sont pas occidentalisés. Oui. C'est... Ah si Jolof peut-être, je sais pas, il est... Jolof il est quoi? Noir. Oui je sais qu'il est noir. Ah non il est... Ouh là là patron, j'ai des lances. J'ai déjà des cailloux dessus. Ouais. On va pouvoir les péter ces rebelles là, on va pas les défoncer je sais pas. El Jazz, putain, il casse les pieds, El Jazz. Donc les mecs, ils ont pas tellement peu de morale. 8-4-8. Voilà, j'ai converti les hérétiques de Cap-Vert. On va être à combien le mois suivant? On va peut-être dépasser les 800. Pour que je puisse envoyer mon colon ailleurs. Voilà, putain, il va revenir. Voilà. Ici, on va leur donner. Ouais, j'ai là, c'est développement 7. Alléluia. On va leur mettre des claques. Ouais. Allez, on va les défoncer, les blaireaux là. Les mecs, ah oui, c'est vrai que j'ai mes Space Marine avec 5 en morale. C'est des monstres. Ouais. Ouais, même peur. Peur de rien. C'est une Space Marine. Du chaos. Ah non, moi c'est des Space Marines de la police. Ils ont une grosse matraque. Sors-moi ta grosse matraque. Et une petite moustache. Oui. Mais si, la petite moustache, c'est indispensable. J'ai quand même me faire défoncer, donc je me... Ah, et la Comte Sarah, ça me fait fuir où? Non, il me fait fuir là, ça va, c'est pas trop loin. Ah non, si, non, il me fait fuir à l'autre bout de la map, quoi, à Luba. Ça m'énerve. Des fois, tu sais, tu fais une fuite, le mec, il fuit à la province d'à côté, juste, tu sais, pour pile se faire stack wiper.
Et des fois ils fuient, mais ils fuient genre tu vois la carte, ouais, tu vois le bout de la carte, ouais, bon on va fuir là-bas. Alors ce qui est marrant, c'est quand t'es genre un pays genre la Russie ou le truc, et que l'autre il désigne, ah, je suis en Russie, je vais fuir à Vladivostok. Et que le mec il met une année entière pour revenir, et que t'as plus vite fait en fait de les dissoudre et de les recruter, tu vois. Ah mais tu m'étonnes. Bah c'est quand t'as des thunes, hein. C'est vrai que quand tu joues avec des mercenaires, tu dissous, tu refais. Hein. C'est clair. Ma partie avec Letos. Cléto, c'est ce que je fais, hein. Les mecs, je recrute 40 000 trucs, je meurs, je perds 10 000 hommes, je recrute 10 régiments. C'est vrai qu'au final, tu vas plus vite. Ah, c'est sûr. Et si on va leur refurguer le général. Oh, il y a les ligues protestantes et... qui sont mises dans l'Empire. Alors, devinez qui est le chef des catholiques et devinez qui est le chef des protestants. Je dirais. L'Autriche, c'est pas Autriche. Non, chez les catholiques, le chef c'est la Bohème. Chez les protestants, c'est Brandebourg. Ouais, Brandebourg c'est cohérent. Oui. Mais Bohème, c'est want to fuck la voisine quoi. Le siège de Goa est terminé. Très bonne nouvelle, ça. Avec Tombouctou. Ah, Sangha, il commence à me proposer la paix. Sangha, il bouge pas, faut qu'on discute. Je veux. Les gens, t'es chier dessus. Je veux réparation de guerre, transfert trade power, toutes tes thunes et ta femme. Non, tu veux pas. Bon, on va attendre un petit peu. Ouais, par contre, il colonise trop lentement. Ah, voilà, on est en vitesse 2 aussi. Ah bah les mecs... Non mais je veux dire, il va à 16 colons par an. Voilà, bah c'est oui, ça, les mecs, c'est... C'est le problème des provinces coloniales. Dans 10 ans... C'est les coloniaux. On y sera encore, quoi. Pauvre petit. Le mec, tu fais quoi d'un vie, toi? Je me plains. Ah, et après oui, ça, je me plains, mais moi, j'ai toujours été quelqu'un. Allez, mais écoute-le, là, mais c'est même plus râler à ce niveau-là, je te jure, mais t'aurais pu une gonzesse. Qui veut venir contre la guerre contre le Danemark? Mais tu veux la gagner, t'as même pas besoin de nous pour venir. Ben, le seul truc qu'il a, moi je veux bien, si tu veux... Avec mais, tu sais qui l'allié, le Danemark? J'ai mes 7... On s'en fout. J'ai mes 7 navires lourds, si tu veux, moi je te bloque, hein, là, pour qu'il passe, je le casse en deux. Le Danemark est allié avec la Bosnie. C'est tout. Oui, je sais, je risque rien. La Bosnie, elle a pas de bateau, en plus. Elle a accès à la mer, mais elle a... Non, je crois qu'elle a pas de bateau. Ah, si, si. Ah, oh, si, si, mon Dieu, c'est monstrueux. Elle a une galère. Ah oui, j'ai perdu. Et la Suède, de toute façon, est à 100% de Liberty Design. Donc, comment dire? Ouais, tu vas déclarer la guerre, il va dire ah, je me révolte. Il va dire au revoir, je le casse. Tu vas Danemark va chialer, c'est tout. Mais de toute façon, faut pas guerrer en Europe pour. Non, faut que tu prennes la province, l'objectif de guerre. Ah, mais c'est pas mon objectif de guerre. L'objectif de guerre, c'est pas la province qui est à côté de toi? Non, je crois que c'était l'humilier. Je me suis trompé. Oh, putain. Possible. Il les fera toutes, hein. Il les fera toutes. Je me disais que c'était trop facile. Putain, ah ouais, mais je te jure. Ah, l'autre il déclarait guerre au Mamelouk, je suis un sauvage. Bah, le Mamelouk, moi, il se tape quoi, guerre civile? Enfin, révolte, je veux dire. Et moi, je fais quoi? Je me tape un pauvre fils tout pourri. Ouais, non, j'ai pas. Non, mais le Mamelouk, il a, c'est normal, il a 8 régiments sur le terrain. J'en ai 3 de 18. 3 armées de 18 régiments qui arrivent. Sauvage. Coucou. Sauvage. Bouge pas. En gros, c'est faire chier, c'est l'Ottoman là qui est allié avec Tunis. Et on va se faire un jour Tunis, hein, et son pote ottoman. Ils sont trop dangereux. Ça, si l'Ottoman est un jour dans la mouise. Ah, mais t'es un ouf, toi, tu fais deux guerres en même temps, la vite tata sur le Coran, t'es un malade. Sur le Coran de la Mecque, comme on dirait si bien. T'as déclaré la guerre à... Ouais. Donc là, en fait, concrètement, et pourquoi tu m'as pas invité dans ta guerre pour la Norvège? Parce que c'est un coup. J'ai demandé, il m'avait dit oh non, je pas. Attends, le mec, je parle et l'autre. Alors l'autre qui dit. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? C'est le chat. Non, c'est pas le chat, ça. Et déménage, hein, sérieux, mon lapin, déménage, hein, fuis. C'est flippant. c'est quelle guerre quoi, ils se lèvent. Par contre, je t'appelle pour quelle guerre? Ouais, celle-là, voilà. Ils
sont bizarres les choses chez toi, hein, les Girac. Pourquoi la Messina, pourquoi la Messina dans la guerre avec le... Ah, tu m'as invité dans les deux, toi. Ah, ça m'a invité dans toutes les guerres. Je peux pas, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, t'inquiète, attends. Genre, c'est pas que j'ai peur de Messina, quoi. Enfin, presque pas. J'aurais plus peur de Massimo Gardien, moi. Oh là là. C'est la guerre civile chez Ça déménage chez les Girac. Tu devrais mettre un micro un peu plus sensible qu'on profite de ce qu'il y a derrière. moi. Je le souhaite pas. Mon armée est arrivée à Louango. Ça, c'est mon petit côté Stasi là, j'aime bien savoir ce qui se passe chez les gens. Ouais, Même quand ça me concernait pas. Surtout quand ça me concernait pas. Ah bah voilà, hein. Je suis nostalgique, hein. Non, mais c'est le chat. Prochaine guerre, c'est Mali. Il y a les qui Mali? C'est une pute du Portugal. Ok. Donc ça va faire encore un gros truc et surtout en Non, mais fait c'est pour que. moi le Mali, hein. Mais non, moi je peux prendre le nord du Mali pour rejoindre Songaï. Alors tu reprends vraiment une toute petite bande. Oh, t'arrêtes un peu là, le mec. La vérité, Bah, tu prends la bande des provinces aux limitrophes de El Jouf. ben je prends le. Je prends les. Tu sais, les horaires. Je prends donc toute la partie jusqu'à limite sud Sine. Ensuite Galam, Ouagadou, Mais non, Agana. Et voilà. non. Tu prends pas tout Quoi, ça oh, là, c'est t'as bon, tu rêvé. te détends, toi. T'as Gabou, Cantor, Non, t'as Foutjalan, rêvé. toi, t'as toutes les mines d'or et l'ivoire. Moi, Non, j'ai mais des t'as trucs rêvé. de merde là. Non, mais t'as rêvé. Ah, le mec et tout. Il partage Mais sur le pas. Coran, le mec, c'est un rat. T'as rêvé. Il a dû prendre juif comme religion, je pense. Ah, mais grave, t'aurais pu, hein. T'as la tête de l'emploi en plus, hein. On s'aime. Ouais. Le mec, je lui fais ses guerres. Je lui ai défoncé ses rebelles. En plus, maintenant, on va faire. Tu veux pas que je te suce aussi? Non. Comment dire? J'ai du bol. Il a dit oui pour une fois. Elle vient pour une fois. Oh putain, je vais être over force limite. Oh putain, ouais, d'accord. Voilà, on défonce les bestiaux de là-haut. Bataille de Takmeda. Où est-ce que j'en suis que... Ah, faut que j'apprenne l'ordre de fort. Après. Allez, à Tombouctou. Ah oh, ouais, j'ai plus de manpower. Ouais, normal, j'ai rien fait. Ok. Je comprends pourquoi. Oh là là, l'outil devrait faire. Je pense que depuis le début, j'ai jamais été une seule fois à mon max manpower. Tiens, je suis en train de me faire attaquer par la flotte danoise. Donc la flotte danoise avec ses 15 navires, 9 galères et 6 navires de transport. Et là, je suis avec mes 7 navires lourds. Comment dire, faut que je t'explique la Suède, le Danemark. Là, t'as pas tout compris. Pauvre gars, il vient tout seul. Ah, il vient tout seul, je vais le raser quoi. Parce que les galères en pleine mer. Ah, il avait un gros navire. Non, mais je l'ai coulé tout de suite. Ok. Je plains presque le pauvre Danemark là avec la Suède qui attend là. Attends, je vais avoir ma réponse moi. Attends un petit peu, ça va arriver, on va rire. C'est toi qui as gagné? Bah évidemment. Bah oui! Sept navires lourds, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le pauvre? Lui, voilà. Moi la guerre elle est gagnée hein, plus Accepte qu'à mon attendre offre. les ben, la fin. Je fais mes claims sur les Tunisiens. Tac, je vais me mettre là-bas. À Cape Coast. N'oubliez pas, faut qu'il y ait plus de gris en Afrique. Hein. Ben, c'est pas possible ça. Oh si, tu fais coloniser. Ben. Non, j'ai fait une connerie. Tu as rejeté la paix, mais t'es un fou! Bon, on va réparer mes navires de guerre hein, au cas où quand même. Ah d'accord, il y avait des 23 navires à toi qui étaient sur site aussi. Je vois qu'on, je comprends un peu. Je répare mes navires et je les upgrade. Ah non, j'ai pas de thune. Bon, moi je les upgrade pas, je les répare. Allez, je repasse vitesse 3. Ah. J'avais pas des bateaux de. Ils ont coulé. Non, non. En fait, je sais pas ce qui m'a foutu. La merde. Comme d'habitude. Voilà. J'ai l'habitude. Alors là, en premier lieu, on va convertir tout ça. On peut pas convertir. On fait chier. Alors attends, je vais faire juste un navire.
une caravelle de plus. Le Mali me kiffe le mec, mais je vais le défoncer. Ah non, faut que c'est vrai qu'il faut fabriquer chez les Tos pour pouvoir déclarer la guerre. Oui. Oh là là. Ça des fois c'est un peu bordé parce qu'il faut fabriquer chez le Portugais pour pouvoir builder ton spy network chez le Mali, mais le Mali en même temps, faudra que tu cliques sur lui pour fabriquer des clés quoi. La vérité du Coran, c'est un peu le bordel. Oui. Merde, je me suis planté le bouton. J'ai plus qu'une province à prendre chez le Mamelouk et hop c'est bon, il disparaîtrait à la surface de la terre. Ouais. Ça rame un peu quand même. C'est parce qu'on a bourré comme des chacals. On est des sauvages. Bon, ils sont où les Suédois, Danois et tout... bon, on a moins 6. Oui, oui, parce qu'il faut attaquer leur capitale du coup. Oh le blaireau celui-là. Bon, en même temps, ils ont. Je pense qu'on a plus de navires qu'eux. Ah oui, mais t'as les Suédois, je regardais vite. Non, mais les Suédois bougeront pas. Les Suédois ne bougeront pas, mon gars. Oui, ouais, ils sont à 100%. Oui, c'est bon, j'ai compris. Tant qu'on... Ouais, c'est vrai que tant qu'on... Oh putain, j'ai un... Ouais, on va y aller, hein, je vais y aller. Hein, 132 les... Alors, qui c'est qui a le plus de navires? Ah ouais, l'Aragon, ils en ont beaucoup. Doomsday, je m'en tape. Avant, j'ai la plus grosse flotte du Heavy Ships. Bon, ouais, c'est nous deux qu'on... Ah ouais, on en a beaucoup. Oh donc, mon dieu aller... Cette Lituanie de Satan. C'est... Ouais, j'ai rien de fait voir. Le problème, c'est que pour arriver là-bas, on va se faire niquer au niveau du supply limit. En plus, je connais pas leur province, quoi. Putain, le blaireau celui-là, je te jure, il va faire une guerre qui va durer 20 ans. Mais on va y aller. C'est juste que c'est compliqué niveau bateau de transport. pense à demander des accès maritimes. À qui? Bah, je sais pas, parce que si tu vas te taper une putain d'attrition, l'Angleterre, c'est pas l'Angleterre. L'Aragon, peut-être. Verden. Moi, je sais pas trop ce qui traîne là-haut. Verden. Il est pas mal, il est à côté de Danemark, il y a Lübeck, sinon t'as Bremen, les Pays-Bas. Scotland même bien. Bah voilà l'Écosse, ça peut être pas mal. Elle m'aime bien en plus l'Écosse. J'ai essayé de meilleurer mes relations avec cette petite. Hop. On est en train de courir. Ouh, Naval Supply. Je suis gentil, j'ai laissé une province à l'Ottoman, enfin au Mamelouk. Ah. Moins de quoi? Moins de National Rest. Très bonne idée ça. Il y a quoi qui arrive à Cayenne? Dreyfus. Non, les... Pas que... Ah, il y a eu un but? C'est pas un but là, c'est... Non, tu m'étonnes, l'autre là, il avec il fait une tête qui vont dans les. Qui va sur la ligne. Allez, mon centre diplomatique réputation. Ouais, s'il avait fait un but, oui, je pense pas que ce serait ça. Au moins, oh, je suis tellement doué. Lol. J'ai pas besoin de regarder. Donc, ça. Ouais, deux fois à côté de l'autre, ça sert à rien. De toute façon, mon prochain toy, c'est le Mali. Ouais, 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 patron, je suis démuni, j'ai des copains. J'adore son toy. Il est méchant. Bon, limite, je crois pas que si je déclarais la guerre maintenant. Show superiority, ça c'est beau. Ah, j'ai une trousse. Pourquoi j'ai une trousse? Je sais pas. Donc, je me retrouve en guerre avec le Portugal, la Toscane, le Palatina, Riga, Livonian Order. Donc, Toscane, on s'en branle. Palatina, on s'en branle. Riga, Livonian Order, on s'en branle. Il resterait que le Portugal. Tu crois que le Portugal contre nous, il a des chances? Non. Ça dépend, s'il tombe sur une bande déclopée qui ont la chiasse, oui. Il a un gros bruit parce que l'autre il fait du bruit derrière. Je dis que le Portugal a une chance, il tombe sur une bande déclopée qui avait la chiasse. Ouais, et encore. Keep Infar, machin truc. Non, on va prendre un bureaucrate. Le Portugal, il a oublié d'avoir des navires. Ce qui est con pour une nation maritime. Ouais. Il a trois navires de transport.
Force limite 35. Et nous avons entendu le tuning de fin d'épisode, donc voilà, on va s'arrêter là. Hop. Putain, même pas plus sur l'espace, ça fait 3 plombs. Ok. Bon bah sur ce les gens, on vous dit bye bye. À la prochaine, à plus. Allez, ciao. Salut tout le monde.